Cher Thaï, chère communauté bien-aimée, bonjour. Je sais que vous êtes là et je suis très content et heureux. Je viens vous partager un petit peu que nous sommes ici au village des Pruniers. On apprécie beaucoup la saison d'automne avec les arbres colorés, les oiseaux et aussi le soleil d'automne. Et on pratiquait ensemble pendant la retraite 3 mois, ensemble avec la Sangha, cultiver la paix, le bonheur en nous et pour le monde. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu une pratique que peut-être vous pouvez pratiquer à la maison. Notre maître Thaï, il nous a enseigné une pratique de gatha. C'est un poème de pleine conscience. Cette pratique pour nous aider à ancrer dans le moment présent, afin d'être libre. Et libre ici, c'est pas une liberté politique, mais la liberté du passé et du futur. Retourner à notre inspiration, expiration, on est là dans le moment présent. En ce moment-là, on est libre. Et dans la pratique, c'est important pour entraîner comment générer l'énergie de pleine conscience pour pouvoir établir nous-mêmes dans le moment présent. On peut pratiquer la respiration consciente, on peut pratiquer la marche méditative, sourire et reconnaître les bonnes conditions dans le moment présent. Mais le gatha, le poème, c'est encore d'autres choses qu'on peut ajouter dans notre pratique. Et chaque activité du corps, on peut ajouter un poème qui peut nous aider à établir dans le moment présent, mais aussi de la vision profonde. Chers amis, quand on peut établir nous-mêmes dans le moment présent, on est bien dans le silence complet, on dit le noble silence. Ce silence est le silence du passé et silence du futur. Parce que souvent on est emporté par le souci du futur et de regret du passé. Parce que peut-être dans notre vie on a vécu la difficulté du passé. Donc, et souvent, cette difficulté nous rend de visite dans le moment présent. Et quand on peut bien établir dans le moment présent, on peut voir clairement quand on n'est pas dans la situation du passé. Mais en ce moment, dans le moment présent, on peut reconnaître beaucoup de bonnes conditions. Si vous retournez à vous-même en ce moment, avec inspiration et expiration. Peut-être on peut trouver beaucoup de bonnes conditions dans l'ici et maintenant. Au moins, on reconnaît qu'il y a respiration, c'est-à-dire on est vivant. Et là, on peut déjà sourire, sourire à la vie. Donc je vais vous partager 3 poèmes, parce qu'on a beaucoup, hein. On a à peu près 70, peut-être encore plus maintenant, parce qu'on peut créer notre propre gatha et poème pour nous aider à ancrer
dans le moment présent. Je vais vous partager les gathas. En brossant les dents. En me brossant les dents, j'ai fait le vœu d'embellir mes paroles. À chaque parole juste, une fleur éclot dans le jardin de mon cœur. En ouvrant le robinet, l'eau descend de la source, en haut dans la montagne. L'eau monte de la source, des profondeurs de la terre. L'eau coule miraculeusement. Je lui suis à jamais reconnaissant. Chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre. Je prends refuge en moi. Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre dans la terre pure. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous soyez, et j'espère que vous pouvez continuer à pratiquer et cultiver la paix en vous et mettre en pratique aussi quelques suggestions et propositions des frères et sœurs du village du premier. Bonne journée. Il n'y a qu'ici.